plein d'espèces de poissons que je trouve cool. Ça, c'est un poisson coffre. Ils sont capables de diffuser un nuage de poison invisible s'ils se sentent menacés. Ils sont donc déconseillés pour les aquariums car un coup de stress et tout le monde meurt. Certaines espèces comme le coffre nid d'abeille peuvent devenir bleues pour mieux se fondre dans l'eau. Maintenant lui c'est un poisson lune, c'est le plus gros poisson osseux du monde. Il est un peu passif et parfois des prédateurs viennent même calmement taper un croc dans son crâne. Il accueille également plus de 40 espèces de parasites sur sa peau. Mais il est pas si nul que ça. Déjà s'il ne fait rien à la surface de l'eau c'est car il accumule de la chaleur pour faire des grosses plongées dans lesquelles il chasse activement. Aussi, il prend soin de son hygiène et engage des nettoyeurs pour le débarrasser de ses nombreux parasites. Ensuite, il y a celui-là qui intimide ses ennemis en déployant une poche ventrale sur laquelle se trouvent de faux yeux. Enfin, il y a les poissons ballons. Si on les embête, ils se gorgent d'eau ou d'air, et le prédateur peut alors soit lâcher prise, soit mourir étouffé. En plus, il sécrète une des neurotoxines les plus mortelles du monde animal. Le poisson porc-épic fait la même chose, mais avec des pics, et il est super mignon. S'il se gonflait à l'amour que je lui porte, il exploserait. Autre chose à savoir, le poisson ballon est un grand artiste, et pour impressionner les femelles, il va passer des jours entiers à réaliser des œuvres très complexes dans le sable. Et ils peuvent changer de couleur.